Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 28 de Baldur's Gate où on va tous crever. Mais Bonjour les non, gens on qui va allons tous tous crever. rêver. Allez, Salut! à la bataille. Alors qui charge? Moi. Ah non, c'est Mulmire, c'est Mulmire. T'en fais pas, je suis derrière Alors, toi, mais bon. non, moi déjà, je mets de la lumière. Ah ouais, Aziz, lumière. Aziz, lumière. C'est dans quoi ça Ah, déjà? super. C'est dans... Cinquième élément. Voilà. Ouais, Aziz, lumière. Oh, j'y vais, la bagarre? Ah, la Et la bagarre, ok. bagarre. Ah, voilà, la De toute bagarre. façon, il peut pas être surpris, on a dit alors, en avant. Voilà, tu vois, il peut pas Par être... contre, Qu'est-ce moi, qu'il oui. prend là, lui? Putain, on l'avait pas vu ici. Ah! C'est nous qui avons été surpris, let's go. Ouais, je crois que peut-être tu balances un peu. Waouh, ils sont beaucoup sur moi. Finalement, ouais, on va peut-être mourir. Mais non, je mais pense non. C'est la lampada, moi. Pour l'instant, tu Let's go. Ouais, oula, t'as pas Attends, c'est quoi qui a fait plus... Tout va bien, tout va bien. Mais c'est quoi qui a fait plus 26 là? Attends, c'est quoi tout ça? Il les a ressuscités. Mais Menestrel mort. Immune. Allez, je viens d'immune son truc. Allez, va venir. Ah, mais du coup, on va pouvoir faire. Non, mais Munmir, bah, le. Tu te fais, mais bolos. Oui, ah oui, c'est ça, c'est. Là, je tanque pas, je me fais juste violenter. Le bolossage de la vie, quoi. Ah, mais ils sont pleins en fait. Non, hein. non, pourquoi moi? Bah, parce que oh. T'as foncé, non. Il t'a mais non, foncé. J'ai pas. Oui, c'est ça, moi j'ai rien demandé, hein. Bon, alors. Oh, je suis tellement loin dans le turn order. Ah oui. Il y en a encore 3 donc. Ouais, j'ai un petit peu peur, hein, je vais pas vous mentir, mais je suis bien là, je suis détente. Dis-toi que juste au moins le Tertréan, le gros, il joue juste après toi. Je peux pas bouger. Ouais, vous en faites pas, hein, je fais de la luminothérapie, là je suis en train de faire le plein de vitamine B12, ça va bien se passer. Ah ouais, là t'as vas-y, attends, je peux peut-être faire ça. Ah, c'est une action. Ah, vas-y, c'est une action, c'est mort. Je suis en train d'essayer de réfléchir. Je l'ai repoussé de toi pour que ça soit moins chiant, mais. Oh non, bah je vais mettre un petit shatter. Ah, moi je peux éventuellement faire ça, je crois que j'ai un glyphe qui permet de repousser. Ah, j'ai aussi un glyphe. Alors, pousse pas dans le vide. Attends, Arda. Ouais. T'as une boule de feu de près ou pas? Non. Oh. Non, parce que je n'ai pris absolument rien qui me permette de faire du feu. C'est pas grave, au pire il est déjà ouais, mort. Mais les petits ils sont pas résistants au feu et c'était plus en gros je peux tous les grouper là potentiellement. Tu peux tous les grouper? Bah je peux faire un glyphe de feu si nécessaire. Tiens, regarde. Ah. Regarde, il y a un paquet là. On peut pas nous y a un paquet là. Ouais, je pense qu'il y a moyen que je fasse quelque chose. Ouais, surtout si t'arrives à défoncer les petits là. Bah, je peux rien faire, mais je peux pas me déplacer, mais je vais malheureusement. Tu peux pas, t'as pas des feux de Bengale ou un truc comme ça à leur claquer à la gueule? Non, bah je viens de lancer un sort, je peux pas ah, te ouais. faire non plus. Ah ouais, par contre, tu des feux grégois. Ouais, bah du coup, je suis un peu embêté parce que c'est pas fonctionné ce que je voulais faire. Ouais, Ah, t'as bien une AOE qui doit traîner quelque part, non? Après, prenez votre temps, c'est pas pressé. J'ai l'impression. Que je vais pas pouvoir. Non, je suis trop loin. Oh, le je suis trop loin. Je vais pouvoir juste en. Et je vais en louper un. Allez, eh, ça va. Là, si tu mets un gif de tonnerre, tu peux pas tous les choper. Oh, let's go. Qu'est-ce que. Ah bah, voilà, il y a plus de turn order. Vous m'avez tué, hein. Alors, oui, mais il y a plus que deux personnes dans le turn order. On va venir te sauver, t'inquiète pas. Je suis très content d'avoir mis une amulette, rien que tu fasses plus de dégâts. Mais je pensais pas que ça allait te toucher, normalement, ça avait non. pas la portée. En fait, c'est les mobs quand ils crèvent, ils explosent. C'était donc ça. Non, mais pour les gens qui regardent l'épisode précédent, c'était quand même il y a une semaine, alors c'est vrai que du coup, on a oublié quoi. Oh, le gars il pille système quoi, il est comme ça. Bah, moi je suis. Bah oui, je sais, mais c'est de me déplacer. C'est de lui lancer une. Ah, ce qui est fou, c'est que même mort, le sort continue. Et ça, c'est beau. Ah oui, normalement, même si je me fais bousiller la gueule, vous l'avez encore. Ah merde, le lancer fonctionne pas. Ah, par contre, ouais, si vous l'avez plus, là, ça va commencer à devenir un peu plus compliqué. Quoi. Ah ouais. Ça sur 4 dégâts de plus 4 j'ai fait 12. Let's go, j'ai pas de fou. Bon bah je vais prendre une popo. Allez prends. Tu veux une popo de soins importante?
Attends, je regarde, moi, là, j'en ai une de grande. Ah ouais, j'ai pas les turbos, les turbo max. Bah, j'ai les 4D4 plus 4. 4D4 plus 4. Les gratteurs élite. Ah, j'ai ça aussi. Bon, bah, je prends la turbo max, alors. Ouais, waouh wow, t'as fait wow. Un PV de plus que mon sort. Pas moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je pense que je vais rester ici et avoir peur. Hein. Parce que je peux même pas taper vu que je viens de me faire reste, donc ah bah. Bon allez, on va essayer hein, pour la beauté du geste. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux pas prendre une potion supplémentaire avec ton truc? Non, bah non, ça me fait une action Alors, peut-être que je vais me casser moi-même la gueule. Il y en a un juste en diagonale de toi en bas à droite. Oui, alors je pense que je vais m'occuper du gros tac qui est en train de me regarder. Hein. Non, c'est plus si tu fais Nawe, c'est plus ça, c'est que. Ah bah super, let's go, ça a rien fait. J'ai 12 dégâts. Ah bon? It's something. Ouais, tu m'as fait 12 points de dégâts. Mais pourquoi? Alors là. Bon bah. Raté, oula. Ouais, ah, ah, tiens, elle vient, regarde, tu vas voir, ça s'amuse vache, mais c'est. Ok, quoi, hein? Non, mais improbable ça. C'est improbable, moi je dis. Mais ouais, le shatter que je lui ai mis, normalement, j'aurais dû lui mettre 24. Ah non, il a résisté, c'est pour ça. Alors, attends. C'est quoi, Bloodshotting, c'est où? Ah, t'as pas, attends. Vas-y. Je veux quitter l'autre gars. Let's go, tu peux te faire plaisir. Ah non, t'as plus. Mais non, t'as plus, mec. Il est vulnérable aux dégâts de. Oui, tu vois bien. C'est tant qu'à faire. Oh. Il est vulnérable à quel type de dégâts maintenant? Tant qu'à faire. Le Johnny. Content tant qu'à faire, s'il peut crever, il crève. Voilà. Comme ça, il y en a plus qu'un. Arrête de se prendre la tête. Ah, dépêche-toi parce qu'il va le tuer. Hein. Non, mais j'ai fini de jouer. Hein. Alors, faut que je fasse en sorte de pas vous toucher. Bon, ça devrait être possible. Pourquoi il est failli? Je lui ai fait un murmure dissonant. Quoi? Je lui ai fait que 12 de dégâts? C'est des avantages sur ses jets d'attaque, donc ça peut t'aider. Oui. Et aider tout le monde. Sur 3D8, j'ai vraiment pas eu de chance, quoi. J'ai trouvé une écorce de bois. Voilà. Je suis là. On a passé 6 ans à chercher le bois. Ah bah, Ardarine. Non, moi je suis un cœur. On ne me tape pas. C'est moi, oui. Il est mort. Bon bah. Lui il avait des atouts, on a un atémir. Ah, non, des voies de fer. Poche d'ombre acide, écorce de bois. Ah, c'est pour toi, c'est pour 15 plus 3 plus 2 plus 6. Ça fait plaisir. Le gourdin, c'est quoi ça? C'est gourdin de bois de fer, c'est pas pour eux, ça. C'est pour vendre. Ouais, bah je vous le laisse. Allez, c'est piqueux. Oh non, ça fait comme la dernière fois où j'ai fait le log. Ouais, j'ai. Pas bougé. Ça, c'est pour Ardari. J'ai aussi un petit peu de décalage là. Ouais, pareil, parce que je l'ai pas vu mort en même temps que vous, du coup, je l'ai quand même pas vu sort. Ça va se resynchroniser. Là, je t'envoie des trucs. J'ai trouvé un anneau d'immolation personnelle. C'est-à-dire quand tu le mets, tu peux t'immoler? Je regarde. C'est quoi le sort? Mettez le feu à votre personne pour gagner chaleur. Un des 4 de feu. Super. Oh, mais ben voilà. Avec de la chance, ça fait. Ouais, je sens que. J'ai une tumeur putréfiée. C'est génial. Bravo. Ah putain. J'ai débloqué un élixir de méchanceté. Je suis méchant. Il est pas mal celui-là. C'est nous les méchants. C'est nous les méchants, vous tuez la gentille. Oui. Alors on va pas trop loin dans le noir, hein, très cher. Non. Titre. Je peux le dire. Oui. Est-ce qu'on prépare un petit repos? Non, on va rêver un truc qui s'appelle une auberge, donc on va y rêver, l'auberge de l'ultime lueur. Ah ouais, c'est ça, moi.
Mais pourquoi t'as besoin de passer par les buts? Bordel de... Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Regardez, j'ai une lanterne. C'est pas une torche, c'est un autre truc. C'est ouais, une lanterne. C'est des gobelins. Mm-hmm. Ah ouais, je vous vois vous TP, c'est... Bah je sais pas pourquoi. Moi tout est revenu à la normale. Ça va, c'est revenu aussi. Ah quoique non, pas tout le monde. Non, ça s'accade un peu. C'est par là qu'on va là? Je sais pas. Un pont, je crois. Il y a un corbeau. Ouais. Il y a un truc auquel on peut parler, j'ai l'impression. Attends, je sais ce que je vais faire. Oh, il y a des petits aigles, il y a des petits œufs charmants. Y a... Très bonne idée, ça. Ah effectivement, j'ai aussi... Bonjour, enchanté. Je me rappelle de ça. Moi pas. Une embuscade. Oh ils ont un PV, ça va. Ah oula. Attends, ouais, c'est quoi Shadow Curse Not Dead là? C'est quand tu étais dans le noir, tu prends des dégâts. Ah oui, ok. Ouais, c'est pas beau pour une fois. Pour l'instant, je le vis bien. Là, faut lancer le trigardin. Ah ouais, attends, c'est prévu, j'ai le doigt dessus. Bon. C'est parti. Maintenant. Voilà. Bravo. Ça a été rapide. Le TG. Il n'y a rien à looter. Un sort rondement mené, ça. Il y a un coffre de voyage en bas, là. Alors je sais pas de quoi tu parles quand tu dis qu'il y a rien à looter, moi j'ai un coffre. Hein. Voyez, oui mais dans les corbacs il y avait rien. Bah, 10 000 pièces d'or. Il y avait rien. Oui mais c'était parce que t'as pas de chance. C'est des corbeaux. Moi, pas je viens d'en looter, une armure en plaque sur un. Une armure en plaque. Rien. Mais il y aurait pu y avoir des plumes. Il y avait une lettre dans le corbeau le jaune là. Le premier. Ouais. Au secours! C'est tout? Non, il y a des ténèbres qui sont sur Wraithwing qui nous empêchent de nous déplacer. On se prend pas un long repos avant d'arriver là-dedans, histoire d'avoir tous nos spells. C'est des gens gentils. Tous nos spells. C'est des trucs gentils. Ouais, c'est ouais, de mais. La base de l'Alliance. Ouais, ouais, alors... je sais, mais je crois qu'il va se passer un truc où j'aimerais bien avoir tous mes sorts. Alors, moi j'ai respiré de la compote, ça fait pas du bien, donc je veux bien. Ça va se faire la compote, ça fait tousser. Ouais, j'ai respiré beaucoup de compote, ça. Bon, allez, hop. On va au camp. Ouais, let's go. Pourquoi on est en tank baseball là? Parce que on a plus de lumière. Mais moi j'ai pas la lanterne, ça marche pas. Là, je sais pas, j'ai remis ma lampe et c'est. Hop là. Je vais où? Vous ne pouvez pas utiliser voyage rapide dans votre état actuel, mais quel est ce... Remettre à ta loupiote. Mais je l'avais pas enlevé, surtout ça le truc. Ouais, mais remettre à loupiote quand même. Do you want to end the day? Oui. Non. Ok. Mais qui a dit non? C'est moi, j'étais en train de l'objet et Arva est pas là. S'il n'est pas là, il va pas se faire heal et je serai récupéré, c'est ça. Mais oh, ah. Après ça je trouve que c'est moi qui ai la bouffe, c'est plus si c'est bon. Ouh. Allez, petite cinématique. Est-ce que c'est Raphaël? Ah non. Hey, quoi? Salut. Putain, vous avez le même réflexe. De pervers. T'imagines, tu parles, bonjour. Oh, I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. What do you want, Mizora? J'avais oublié qu'il avait des cornes. Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Absolute oh, ouais. Cult has gone and grabbed one of Zariel's assets, a devil, and a powerful one at that. They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers, and you're getting him out. Bah ok, de toute façon on allait buter tout le monde à Haute-Lune, non? Parce que nous la finesse, ça ne connaît pas. Ouais, c'est un peu le plan. Let's see about getting his priorities fixed. Clause Z, section 13.
Should promised soul refuse obeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemure. I'll make it simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Now, be a good boy and play fetch, pup, or you'll spend an eternity sizzling in the hells. Mizora's words may be flippant, but they are tinged with desperation. She cannot afford for Will to fail this mission. This may be your best chance to negotiate Will out of his pact. Ouais, bah ouais, on tente, hein. Oh, and what condition is that? Your mind links with Will's, drawn in by his increasing panic. What are you doing? A doubtful Will catches his breath, but says nothing. And your connection fades. Interesting. Now, why should I go letting my favorite pet off his leash? C'est bien, c'est toi qui cause alors que c'est toi qui l'avais pas venu, ça. Ouais, pour une fois. Qu'est-ce que je tente, intimidation? Ouais, effectivement, c'est une bonne performance, un bon plus 10 là. Ah, oh, vas-y, celle-là, ça a l'air d'être rigolo quand même. Ça va être. J'aimerais bien. Fais ce que tu préfères, mais. Je suis un barde à la base. Attention que j'ai plus aucun point d'inspi, donc c'est seule fois. Ah, ça ouais, va, c'est t'es bon. Je vois pas ton jet en plus. Ouais, je vois pas ton jet. C'est bon, je suis à plus 25. Such a fearless display of sheer idiocy. Bravo! Fine. I'll play your game. But I amend the pact once the mission's done. Not before. Clause F, section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon soulbearer's fulfillment of related obligation. Now, to Moonrise, pet. And do mind the shadows. They've been especially hungry. J'aime bien cette tournure de situation. Hé hé. J'aime bien quand t'es pas avec. Ouais, y'a plein de gens qui veulent nous parler. L'avantage de ce deal avec la démon, c'est que dans le meilleur des cas, Will meurt. Et dans le pire des cas, il sert plus à rien. Du coup, bon, qui ne sert pas à grand chose à l'heure actuelle. Voilà, exactement. Bon. Est-ce qu'on fait, on fait le tour des gens qui veulent nous parler ou. Tant pis. Je vais vous laisser faire ça, et moi pendant ce temps-là, je vais revoir mes sorts parce que. Bon, bah, blabla en broker. Allez-y. Vous verrez ça sur l'épisode de Katox pendant que moi je refais mes sortilèges. Moi je peux pas rejoindre le dialogue. Je sais pas, attends. Tiens, voilà. Je suis pas en train de draguer. Compared to everyone else, I feel fine. Better than fine. Do you know what this means? I must be blessed. Lady Shah is protecting me where others are left to face her wrath. She loves me. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi me parler pour me dire ce qui se passe. Elle est en train de dire qu'elle se sent bénie des dieux, que sa déesse Shah, vraiment, c'est la meilleure. Elle l'aime, elle est obligée de l'aimer vu qu'elle se sent mais... parfaitement en bonne santé, tu vois. Et moi alors? Vous avez vraiment dit et moi alors? Oui, et elle lui a dit oh, mais tu as plein de ressources, tu trouveras bien une solution. Tu as plein de ressources, tu trouveras bien une solution, j'adore. Va bien te faire foutre. C'est vraiment ça quoi. T'es... Toi, tu te démerdes, petit con. Mais parce qu'on l'a pas encore. Après, je suis sûr, elle veut bien ça. Temple, perhaps. Ah, elle est relou. Putain, tu sérieux. Allez, on parle avec. Ah, c'est une ville. Ah non, bah, c'est vrai, la religion. Pourquoi doit-il être Zauriel? On est supposé risquer notre vie pour obtenir l'un de ses assets. Qu'est-ce que si c'est un runaway comme moi? Ou quelque chose de bien pire?
il y a Gail, il vient vraiment de me dire que son chien pouvait faire mieux que moi. J'ai envie de crever. I want to believe that as much as you do. Almost as much as Will does. Mais non, j'ai pas coché dialogue privé. Ouais, c'est bon, on peut écouter ce que tu dis. It's a bad idea to play games with the devil. You'd never win. Not ever. D'accord, en gros, on fait pas de pacte avec un démon. The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow. Mazora set me on fiends inside and outside the hells. She's not going to arrest you. Gods. Ah bah, she makes a mockery of everything the blade stands for. Ah, j'allais dire c'est Gail. Ah mais non, c'est Will. Thank you for sticking your neck out for me. I mean it, but I'm not going to celebrate till I'm actually free. On peut pas célébrer. Parce qu'il a un œil de verre. Comme moi. Sauf que moi, je vois à travers la nuit. Et le night. Il est plus joli. Fail. And I made a mindless blob clawing at demons on the front lines of the blood war. Est-ce que ce serait pas le moment de reprendre une petite fireball? Ah, moi aussi, hein. Mais de ce que je me rappelle, on va être dans un espace réduit, donc... Ah mais tu te rappelles, t'as déjà joué là ? Non, j'ai vu des spoilers. Ah bah super. Mais en fait, y'a que moi qui connais rien, c'est ça ? Non, non, moi je connais pas plus. Ouais, hop, salut. C'est bon. Ah bah donc, là, regarde, y'a le chien qui est venu vers moi et il est parti dégoûté quoi. Il a entendu ma musique, il était en mode quoi. Ah oui, c'est il pleure. Regarde, et toi tu joues et tout le monde qui vient, ça me ah, attends, est-ce qu'ils vont nous filer de là-dessus? Ah non, c'est des potes. Bon, peut-être. Je t'ai dit que tu pouvais pas être un mort. Arda, c'est quand tu veux. J'hésite à prendre immobilisation d'humanoïde, mais je pense pas que ce soit très pertinent. Alors, je vais garder le... Je vais caster un petit mur de feu, je pense, à un moment. C'est une idée. D'accord. Ok. Ouais, attends, t'es conseillé, peux faire un peu. Tu l'as là ou pas? Est-ce que tu peux le lancer maintenant ou pas? Non, je peux pas parce que j'ai plus de... de sort de niveau 4 disponible. Bon, bah, je suis prêt à faire d'autres. Oh, level 8 est si proche et aussi si loin. C'est vrai? Ouais. Ah oui. Ouais. Oh, oula, oui! Oh, mais level 8, je crois qu'en plus, il y a des dingueries. Ah ouais. Bah, level 8, moi j'ai passé, ça y est, je pourrais devenir Battle Master. Il lui manque 1060 XP. Allez, go. Ah ouais, le dodo. Auto-select ? De l'alcool, de l'alcool, de l'alcool. Ouais, mais... Fais pas d'auto-select parce qu'il y a un gros œuf qui vaut très cher et. Ouais, c'est ça. Non, mais tout va bien. Mais... Là, mais il m'a pris ça, l'œuf. Le gros œuf, tu nous le files et on le met dans un autre coffre, comme ça, toi, tu pourras pas je le mettre. Je sais pas où il est. Il est dans le bordel des sacs, un jour faudrait que je trouve, mais... J'avoue que l'interface du coffre est pas OP pour ça, vraiment pas. Voilà, ouais. J'avoue, bon. C'est dans un sac, à tous les coups, là, comme la branche de susurre, là. Ah, on va voir la wave, là, j'ai l'impression que c'est tout blanc. Hey. La moitié à poil. But it's good to see you're making progress. Oh, je la préférais en armure. Ouais. You took an unexpected route here. You did a brave thing, saving those people in the grove. Don't be so hard on yourself. It's not your hop. Ah, puis en plus, c'est moi qui dois choisir les dialogues. Oh là là, quel enfer. Non, chacun choisit. Ah, chacun choisit. Ah, top. Ouais. It just doesn't stop. We are being bombarded. J'ai de sauvegarde ratée en perception. Encore. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given. On est d'accord que elle, c'est ça qui est censée être dans l'artefact, c'est ça? Ouais. Enfin, elle. Je sais pas ce que vous avez, vous, mais moi, c'est le meuf. Ouais, moi aussi.
I'm afraid this burden is one I have to carry alone. I just hope my powers last long enough to see this through. In any case, the Absolute knows you carry me with you now. It wants to retrieve me. I stole it from Blackith. Her continued rule depends on it. As long as the Absolute exists, I am trapped within the prism. I can only control the power from here. We must make sure Blackith never gets her hands on the prism. Nor the Absolute. Unfortunately, they are both dedicating more and more resources to retrieving it. The task ahead is monumental. Mais j'attends le twist sur ce personnage. Je suis sûr qu'il y a une dinguerie avec. Si tu joues bien chacun, elle rejoint ton groupe. This is not just you and I anymore. Et là. Et là, grosse wishou. Le monde sera pas sauvé, mais on va s'amuser. Par contre, il y a une auberge. C'est grand. And you must carry on. Do not let my efforts be in vain. Ah, je pense que j'ai pris le plus court chemin pour finir le dialogue. Ah ouais, vu que j'ai loupé tous mes jets. Ah ouais, moi aussi, tout raté. Ouais, moi aussi, mais je m'en fous. On avait un truc qui se passait et mon perso il a fait boobies. Ah mais je gagne que des points d'inspi en ce moment. Putain mais la quantité de points d'inspi qui se chope. Moi je t'en as gagné combien? Lui bah, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. 13 points d'inspi alors qu'on peut en avoir que 4, c'est cool. Arda c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ah, 5 bon, pour 5 pour oh je crois que tu peux le voir dans 5 pour Atémir et 1 2 3 4 5 6 pour moi. Voilà. OK, moi je voilà, je suis fournisseur de points d'inspi, ça me fait plaisir. T'es un peu encombré mon cher nain. Ah oui, regarde, magie. Paf. Les masses paf. Pouf. Ouais, les masses paf. Ça me fait plaisir, je vous le rappelle. Du coup, on quitte le camp, je présume. Mais moi, je vous attends déjà. Par contre, fallait retourner où? C'est plus. Mais tu fais juste leave, tu cliques sur le feu de camp et tu dis leave camp. Ah ouais, ok, heureusement que t'es là, hein, parce que j'y connais vraiment rien ce jeu. Ouais, le bouton rouge, Régis. Autant que toi, hein. Pourquoi hein je suis tout dégueu là? Pourquoi y'a plein de merde par terre là? Y'a des. Je viens vraiment cliquer sur drop. Bon bah tant pis, c'est mort. Tu es fou toi, c'est de la thune. Allez, c'est bon, ça m'a gonflé. Moi c'était pas fait pour, j'ai juste pensé avoir cliqué sur cette game. Bah attends, mais il y avait même. Ouais, si tu sais, tu pourrais te décaler parce que là t'es sur les objets donc je peux pas les ramasser. Ouais, je vais aller là, donc je permets une vraie arme. Ouais, ça est, ça rame encore. Ouais, c'est bon. Oh, mais il y a des trucs vraiment moisis. Bah, après, là, je suis vraiment bon. Le pire, c'est que la lanterne, elle fait pas tant peu de dommages que ça par rapport à l'arbre que j'ai. Il y a plein de gens. C'est vrai? Oula, oui! Ah. Oui, mais eux, c'est des gentils. Ils sont en train de me menacer. C'est qui lui là, Berbrandos là? Et il est avec nous dans l'embuscade? Ah ouais, vraiment. Ah mais si, c'est sûr que je voulais buter, vous voyez pas? Je me souviens. Et alors là, attendez-vous au twist. Qui est cette personne? Twist again. Twist again. Je sais pas qui c'est. On sait qui c'est elle? Ouais, si t'as fait BGR et 2. J'ai pas fait BGR et 2. Moi non plus, donc j'étais là, bah c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle te fait des lianes. Et sinon, qui c'est? Tu vas voir.
s'appelle Jaira. Ouais. It seems tales of my clemency have been greatly exaggerated. C'est pas une des héros de Baldur's Gate, c'est ça? Bah si, c'est elle que tu joues dans les deux premiers jeux. You have not elle fait partie du groupe. My hatred, stranger. Not yet, at least. Et du coup, quand tu joues méchant, tu peux buter l'intégralité. This is why we're here, you see. It's a curious creature that hides all manner of secrets. Ça se trouve, on peut leur donner. One thing that we know. Quand tu veux contaminer tout le camp, toi? It's that it knows its own kind. C'est comme une sale bête, avoir ça dans le cerveau, c'est pas à l'aise. Hein. Non. Acceptez votre sort. Ah, ouais, je peux. Attends, what? Pourquoi il y a mon bonus? Non, parce qu'il l'a le même. Ah, d'accord. Ah non, l'élixir du colosse. Moi je veux rajouter ce machine. Elle, c'est une gentille, hein, normalement. Voilà, normal. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Bah, il a eu un avantage et il a roll un 14 plus un 15, il fallait faire 15. Ah, roll de fiche. Chanceux. Stand down! Or we'll put you down! Si on peut discuter peut-être. Oh. L'attaquer. T'as pas envie de te faire remplacer. Qu'on soit clair, je reste dans la lignée de mon perso. La dernière fois, quand on les a vus et qu'on les a sauvés, je vous ai dit que je voulais les buter. Moi, je vais pas changer d'avis. Hein. On peut discuter peut-être. Ok, on va finir par la buter ou finalement. He's the one who protected the Emerald Grove. Yep. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Save two of my friends. One from a harpy, and one from a mad druid with a snake. Didn't make a fuss about thieving either. I pretty much trust him with my life. A true soul with a mind of his own? How is that possible? Grâce à cet artefact Zip. Et pourquoi je. Ouais, je pense que moi je vais Radio 2, enfin je vais relancer le jeu. Toi aussi t'as des petites lenteurs? Ah non, mais il y a notre pote, le type. Ouais, quand je sélectionne des options de dialogue, ça paraît même pas. You sound so confident for someone who's so wrong. Ah, attends, je peux peut-être pas. Avantage. Oh, let's go, t'as un avantage parce que t'as cassé. Vous avez réussi à libérer les entrains des lianes sans pour autant passer à l'attaque. 21. Oh shit. Bon, j'ai guidance. C'est juste ce que vous voulez dire avec Atox. J'ai 26. Oh. Allez. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. Attise. Voilà. I'll not pretend to understand why you, the enigma that you are. Tu peux arrêter d'agiter ta boule de feu comme ça devant le jeu des anges, c'est pas. Ah, c'est inquiétant. Elle agite ses boules. Elle reconnaît. Elle reconnaît l'heure d'espoir que t'as voulu buter. Je suis en vacances. Ça me tue. Just in time for happy hour. There's food in the inn over there. Beds too if you require rest. Aloe oil in the cupboard in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Que t'as essayé de buter. Le perso Kiatox, il a pas compris que c'est. Il a lu une possibilité qui n'existait pas. T'avais un grand sourire quand elle a parlé à l'Aloe Vera et d'aller boire un verre. Calme-toi, on sait. Alors, il y a plein de torches, il y a des tellement de trucs rouges, des trucs à voler. Alors, Atémir, s'il te plaît, tu fais pas le con.
Alors, par contre, il y a plein d'objets. Le gars qui sauvegarde en temps. C'est bien, tu commences à me connaître. Il y a plein de trucs rouges, je sauvegarde. Moi, j'ai vu une épée plus simple par terre, je t'avoue, j'étais un peu en mode. Alors. Ah, j'ai trouvé un tonneau d'huile. Les vendeurs un peu partout, ça, c'est bonne nouvelle. Ça. Ouais, il y a plein d'objets de fou. Ah ouais. Donc, tu me dis quand t'as fini de parler avec la Scottish là. Bah, je vide mon sac. Parce que c'est pas comme si je pesais quelque chose. Son sac, il a dit. Oui, mon sac, juste mon sac. Et après, quand je me taperai pas des rollbacks. Last night's best bargains, right here. Oh là là. Ah! Ah ouais, j'ai bientôt fini, je vais ce que je dis, mais quand je vois un objet qui revient, c'est un peu embêtant. Ah! You found your way. Voilà, c'est bon. Good. Je reviens, parce que moi là, c'est alors, si jamais j'ai causé à un marchand qui était forgeron, il m'a demandé de chercher du métal et j'ai plein de trucs sur moi qui manifestement sont du métal. Ouais, moi aussi, je les ai. Je vais lui parler, je sais pas si vous voulez regarder, Arda. Je sais pas ce que c'est. Ah, il fait des bombes de ouf avec. Il y a une vache. All the bang and boom of the original. Katox, faut parler à la vache. Ah, j'arrive. I call it the brilliant retort. You'll need it if you're going to survive this. Ah, y a même deux. You'll need it if you're going to get into Moonrise Towers and help the deep gnomes taken prisoner. Ouais, mais you'll need it. Ça ressemble vachement à une vache, quoi. If you're going to save the world. T'as quatre pattes et des cornes. Ouais, voilà. Let's call a thing a thing. A deep gnome won't get far into the absolute orgy of evil. Du coup, t'es en train de parler à qui là? Bah, je sais pas, un forgeron, moi je viens de lui donner du métal en titane, enfin, du titanium là qu'on avait trouvé en bas. Et vient de me donner une armure bleue, comme ça, même gratuit. Ah bah écoutez, d'accord. Elle est légère, elle est lourde. Elle a l'air... c'est une armure lourde, elle a l'air. Ah, évidemment, toujours les mêmes. Je pense que je vais garder l'armure de. Ah non, ouais, effectivement, je t'en fais bien ce que tu veux. Moi, je peux pas la mettre. Alors j'ai trouvé ce métal dans Grimeforge. Est-ce que vous pouvez en faire quelque chose? Ah bah manifestement on peut en faire quelque chose. Enfin, c'est bien tous les trucs que j'ai ramassés en mode que ça peut servir à un moment. J'imagine bien. Donc cette quoi, être un gros bill, c'est utile. Cette tomate pourrie, vous pouvez en faire. Ouais, une armure. Tenez, une tomate pourrie, vous pouvez en faire quelque chose. Tiens, des gants d'armure lourde, ouais. Dans ta run, t'avais joué avec Carla ou pas? Oui. Rudy ? Oui. Ok. J'interchangeais entre elle et Lazel, j'avais toutes les deux mis en spé guerrière. Alors là, il vient de me donner un casque. Je vais faire 10, j'ai fait 9. Armure moyenne, c'est pour qui ? C'est pour. C'est Katox, tu peux pas, toi ? Ah bah. Quoi ? Armure moyenne, tu peux ou pas ? Non, moi je mets que du léger. Bon bah tiens, c'est pour mieux de meilleur alors. Ah ouais, c'est bien pour les casteurs. Pour les casters, mais Enfin, c'est contre les casters, pardon. Ah. Mais je sais pas, on a trouvé combien de métal dans Grimeforge là? Parce que c'est déjà le troisième objet que je vous donne. Et après, vous pouvez prendre deux fits pour vous équiper en armure moyenne, hein, parce qu'il y a beaucoup de stuff d'armure moyenne qui peuvent peut-être être intéressants pour vous. Moi, je peux si pas. Si je mets de l'armure moyenne, je perds tous les trucs que j'ai de moine. Alors, ah ouais, qu'est-ce que je peux vendre? En fait, c'est même pas ça, si je peux même pas choisir le fit armure moyenne, je crois qu'il y a ça aussi. Oui, et toi, je sais que tu peux pas. Ah, peut-être que si vous faites du multiclass, ça vous débloquerait. Je pense si vous faites du multiclass, vous pouvez débloquer l'armure moyenne. C'est trop bien d'être sans armes. J'ai autant d'assez que toi. Ah oui, ça j'ai pas le contraire, mais de toute façon, oui, toi t'as pas de problème. J'adore la cinématique où tu vois Arda courir dans le fond. Ouais, je cours, je vole, et y'a rien à looter là où je vais, c'est nul. Je vois un peu toutes les merdes que j'ai en stock. Bah écoutez, je viens de trouver des gants qui sont. C'est bien. Bah voilà. J'ai des gants OP. Ça c'est bien. Ah yes! J'ai récupéré deux bombes de. Ah non, c'est du bon tout nul. Oh, je suis déçu. Oh putain! Oh putain! Ouais, c'est un peu ça là. Il a une. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, il a une flèche qui fait double dommage au dragon, qui fait 20 à 36 de dommage de base. Bah, si jamais vous trouvez le petit gnome. J'ai trouvé un coffre verrouillé. Le
belle affaire. Après, ils vendent du stuff de dingue aussi, hein, Damon, je crois. Ouais, je suis en train de voir ça, c'est pas mal. Et le quartier maître Tali aussi. Oh, oh, c'est si bien. Quoi? Oh, il a un arc, il est fou. Il donne résiste au feu, résiste au froid, enchantement plus 2, et il donne hâte. Rien pour hâte, c'est trop bien. Attends, c'est hâte. Ah ouais. Oh, moi je veux cet arc. Hein. Donc là, j'ai pingé, il y a un coffre à. Je suis en marchant là, donc je peux pas regarder. Ah, tu peux pas voir, mais je t'y conduirai. Il y a des gants de maîtrise de l'épée, si jamais. Moi, j'aimerais juste trouver le petit. Pas le gobelin, mais le. Le gnome. Normalement, il y a un gnome qui bat dans le camp. T'as la flèche d'acide de Mel, Farda, ou pas? Ouais. Et image miroir, tu l'as déjà. Ouais. Moi, je me suis acheté une cape. Oh non, t'as pris la capeur. Oh la chure. Il a pris la cape. Oh bah. C'est quoi cette cape? Ah bah, c'est la cape qui lui file un AC en plus. Ah. Il y a une épée qui peut peut-être être t'intéresser. Ce qui fait que je suis officiellement le tank du groupe. Bah ouais, non, mais c'est pour ça, toi t'es au fond, caché dans un buisson et tu te lasses. Ouais, tiens, voilà, prends ta cape. Non, mais c'est, je m'en fous. C'est lassé, c'est pour ta gueule, hein. Va pas me dire que tu veux garder ta cape du prince rouge. Bah non, mais. Voilà, donc la armure jet de sauvegarde, c'est plus pour celui qui prend des coups. Mais surtout que je vais avoir un as en plus, franchement, ça me dégoûte. Ah, j'ai choisi l'armure lourde et j'ai l'impression que le bonus est vraiment limité. Alors, qu'est-ce qu'il dit lui? Oui, alors attends, t'avais dit qu'il y avait un coffre en daté. C'est là où t'es épée le coffre de vol de vie. Oui, c'est quasiment là où je suis. J'y arrive. C'est un peu plus haut, il faut monter. Ah, mais matelas c'est plus 2. Ah, monter et qui n'attend plus qu'à être mis dans le lot. Hop. Mm-hmm. Tu veux que je te le ping sur la map? Bon. Et il est lock-picked. Pas lock-pickation. Il y a une armure ici, hein. Enfin, des vêtements peut-être pour toi, Atémir, qui peuvent être cool. Ils font quoi? Ça augmente la force de 2, tu peux pas être poussé contre ta volonté et t'as avantage sur les jets de sauvegarde pour être restrained. C'est nul. Et ça te file une action ruée du taureau. Tu charges et tu mets par terre tout le monde sur 3 mètres. Okay, c'est nul. Non mais enfin, en fait mon armure est tellement bien que... Enfin en fait elle me donne pas de texte. Enfin elle me donne plus de texte et plus de texte c'est plus... Enfin c'est des dommages là, sur... Mes attaques, c'est. Non, bon, y a pas que. Bon, je vais parler à la vache, on va voir un peu ce qu'elle dit. Ah, bien! C'était quoi du coup la cape que t'as chopé? C'est. Ça file. Le premier buff dit qu'il est content, il fait chaud. Wow. Le deuxième est content de nous voir. Vous avez des capes ou moi j'en ai pas? Non, mais c'est, là, je crois que c'est la première cape du jeu, tu peux récupérer celle. Ah, okay. C'est une des meilleures. Ah, ça fait vraiment quelque chose la cape? Bah, sa cape c'est plus un d'armure. Ah, oui, bah effectivement, oui, c'est bien. Plus voilà, un jet de sauvegarde aussi. Il est content de nous voir. Voilà. C'est... Qui est content? Le buff. Il y a rien pour les mages dans le secteur, si j'ai bien compris. Bah, pour l'instant, je crois rien. Rien pour les mages dans le jeu, c'est tout. Voilà, c'est une action ici. Il y a une armure là qui te t'attends. Ouais, quand tu réussis un jet de sauvegarde, tu fous 4 à 7 dégâts de feu aux ennemis et tu gagnes résistance au feu. Allô? Oui. D'accord, bah c'est tout. Oui, bah oui, non mais j'aime bien ce que j'ai parce que j'ai de l'incantation amplifiée. J'ai un bonus de plus 1 au DD au jet de sauvegarde contre mes sorts. Et j'ai armure d'étincelle, j'ai un bonus de plus 1 à la classe d'armure au jet de sauvegarde. Il y a Bex qui pleure. Il reste des charges de foudre. Je suis bien là. Après il y a un bâton qui donne résistance au feu et tu gagnes en sort Fireball, donc le cantrip, mais t'as aussi une Fireball d'offerte. Tous les longs. Ouais mais je gagne avec mon charge sort là, ça me fait justement une bonne synergie avec mon... avec ma robe électrisée. Et avec mes bracelets de défense aussi. T'as un shinto ou pas?
J'ai pas de shield. Donc. Mais toi, par contre, là, t'as un shield qui pourrait être intéressant pour toi. Je crois que j'ai pas la compétence hein, pour les shields. Alors. Ah, peut-être parce que Gale, c'est un humain. Parce que si tu peux porter les shields, là, t'en as un qui te file un spell slot de level 1, c'est pas ouf, mais qui te file aussi aid. Ouais, là, j'ai déjà 4 slots de spell niveau 1. Oui, après, le shield, ça te file aussi plus de DAC. Je crois pas que j'ai la compétence pour les boubous, hein. Où est-ce que je peux voir ça déjà? Attends, je vais te dire. Ma fiche de personnage, je pense. I wish I hadn't let go of him. Ah, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Si jamais. Non, t'as pas. Ouais, comment il s'appelle là? Du coup, je vais peut-être éviter parce que ça me fera pas de classe d'armure en plus. Si, ça te fera plus de d'armure, mais tu pourras pas bénéficier du. Comment dire? Je crois que c'est. Tu peux pas bénéficier du sort qui est associé au bouclier. Qui te filait 10 PV supplémentaires. C'est fâcheux, mais de toute façon, je crois que l'arme que j'ai au corps à corps, c'est du deux mains. Hein. Ouais, les bâtons, tu peux les tenir à une deux mains. Je pourrais prendre le boubou pour faire un plus 2. Ouais. Et il est caché où ce boubou? Il est chez la marchande quartier maître Tali, là où je suis. Je trouve. C'est à l'entrée du camp, c'est au tout début. S'il y a que ça, tépais-toi sur le sigil là. J'ai trouvé le pas. Je suis vraiment pas doué avec la minimap, j'arrive pas à. C'est l'espèce de petit soleil quand t'es sur la map. Ok. Oui, sinon tu peux venir à pied. Donc c'est laquelle tu dis? Celle qui est en face de moi. Bordel, je vois pas. Ah, ok, si. Lucky you. Not everyone does. Je sais que je ressemble à un PNJ. Lost one today. Jonas, he was a good harper. Bon, je sais dire qu'il y a Jonas qui est mort. Vous êtes rentré dans le bâtiment? Ouais, je suis en train de voir c'est quoi les marchands. Il y a le Ptio, il faut qu'à toi que tu lui parles. Ah bah là, il y a des bots qui peuvent être bien aussi. À qui? Alors, plus un d'acrobatie et plus un d'armure, de classe d'armure. Plus un d'acro. Ouais, j'ai un sac de provisions. Il y a une autre cape aussi. Quand tu te désengages, tu crées une zone de. Attends, c'était quoi les bots dont tu parlais? Là, les bots, c'est chez chez le petit marchand dans le bâtiment. C'est plus un d'AC et plus un d'acrobatie. Ah bah, si t'as, je suis chaud. Hein. Parce que là, moi, il a des bots, mais il n'y a pas plus un d'AC. Il y a plus un d'acrobatie, ouais, mais il n'y a pas plus un d'AC. I don't know. I never will. Alors, j'ai reçu un sac de provisions, mais je sais pas du tout où est-ce qu'il est apparu. Katox, c'est notre marchand. Quoi? C'est notre sugar daddy. Qui a besoin de sous. Ah d'accord, ok. Bon, j'ai compris. Mais Boubou, t'achètes un bouclier? Oui, bon, ça va, je l'achète. Mais là, j'ai gagné des provisions gratos. Ah mais je parlais à Katox. Ah, toi aussi, t'as réussi les... Oui. On a tous joué des provisions gratos. Mais attends, mais c'est où? C'est le ptio, le rouge, là, qui donne des bottes, là? Oui, bouclier d'étincelle, c'est ça? Ah, le piquant, regarde les sous. Ouais, mais l'achète pas, laisse Katox se faire. Ah, parce que à la base, moi ça coûte moins cher. Bah ouais, ça coûte carrément moins cher. Ça m'a coûté 200 PO. Ouais, bah lui ça lui aura coûté 150. Oui, non, mais bon, enfin tu vois. Mais j'ai pas encore acheté, hein. Si je laisse Katox faire, je laisse Katox faire, y'a pas de soucis. Hein. On est à 16 000, 17 000 de thunes. Allez hop, vas-y Katox. Y'a pas de petit profit. Tu ne sais pas les prix des objets dans l'acte suivant. Alors oui. Je te conseille vraiment d'économiser, mec. Alors c'est le bouclier de dévotion. Le rouge. Ouais. Bah le premier, celui qui file. Ouais, c'est quand même, il est quand même à. Moi, je l'achète à 1000 PO quoi. Punaise, pourquoi je l'ai pas vu ce bouclier? Bah c'est genre le tout premier bouclier de dévotion. C'est un bouclier d'étincelle. Mais non, c'est ça. Non, c'est... je l'ai à 126. Bon, donc le très rare bouclier qui fait une bouclier de dévotion aide, c'est ça? Ouais. C'est fait. C'est vrai que c'est pour moi. Warda? Ah ouais, ça lui fait plus de DAC après.
D'accord. Et pour peu qu'il récupère le feed qui lui permet de tenir les boucliers, il pourra bénéficier de tout le reste. Tiens, cadeau. En vrai, je te conseille vraiment de prendre le feed qui te permet d'avoir un bouclier parce que. Bah, ça me fait absolument pas plus de d'AC. Ah bon? Ouais, ça par change contre, rien. Faut peut-être non, que tu aies la si maîtrise tu de. Des... Si, tu peux, si tu peux prendre le truc pour être proficient en... avec les boucliers, en vrai, ça te donne des spell slots et tout. Hein. Ouais, ça te fait un mage de guerre, quoi, c'est sympa. Ouais, franchement, et en plus, les boucliers, les autres boucliers qui vont arriver, t'auras envie de savoir te servir d'un shield. Bref. Ouais, ouais, mais du coup, je peux pas lancer le truc aide, bouclier de dévotion et. Bon, ça viendra. Et ça me bloquait le lancement de mes spells. Hein? Ah ouais? Ouais, 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 ah je ouais. peux pas lancer de spell. Bah, d'accord, dommage. Okay. Oh bah, j'aurais appris un truc. Bah, c'est les paladins. Ils... 1000 balles pour ça, sérieux? Mais non, ce que je dis. Gale, vu qu'il était humain, il avait le trait, tu vois, milice civile ou je sais pas quoi, et ça te permet d'être même en mage, de pouvoir tenir les boucliers, et c'est ça qui permet bah, de servir à plein potentiel du jeu. Mais c'est pratique. Moi je ne suis pas Gale, je suis un vrai magicien. Pardon. Putain, un vrai magicien. Tu sais pas tenir un bouclier, donc à bout. Comment ça trash. Test de persuasion. Ah, mais à qui tu parles? Ouais, je viens de gagner des provisions aussi, c'était ça votre truc là? Ouais, c'est ça notre truc, ouais. Elle a fait des provisions à tout le monde. Et attends, tu pouvais pas lui acheter des pare-chauds là, la meuf là? Elle a des pare-chauds. Oh, elle a un bâton là. Oh, oh, elle a un bâton, je pourrais lancer l'or. Si je pour l'achète, je peux lancer où le 2. Ah oui, c'est vrai que ça pourrait être bien pour toi aussi. Ah, ça pue. Non mais en fait l'armure dont tu parlais tout à l'heure là, je viens de la voir, enfin les vêtements là, ouais. C'est des trucs pour barbares. Ouais, j'ai une armure Rippling Force Mail. Nani, j'ai une armure qui coûte mine dans mon sac là, pourquoi? C'est quoi? Une armure lourde. Oui, c'est ah ouais, c'est moi, c'est moi qui te l'ai envoyé. Mais tu l'as acheté? Mais non, c'est un causant en forgeron, il m'en a donné plein des trucs, c'était que alors, je pouvais pas mettre. L'armure, je sais pas, Eldusk, comment tu peux le traduire là? Attends, je suis en conversation, de quoi tu parles? Ah bah j'en ai une, laquelle? La Float ouais, Eldusk Armor là? Tu m'as trouvé un anneau. Ouais. Mais l'autre, je l'avais pas et elle a pop dans mon inventaire donc. Hop, c'est pas moi. C'est... Bon, ça peut ouais, servir ouais. Peut-être à Arda, tiens Arda. Tu m'as envoyé quoi? Un anneau. Explosion de neige, quand le porteur inflige des dégâts de froid, il crée également 5 de glace de 4,5 mètres autour de la des cibles. Ouais, mais j'ai synergie arcanique sur l'autre truc. Et là j'ai quoi? J'ai plus 1 en arcane et plus 1 en religion. Ouais, l'armure de Damantium, mais elle est toujours mieux que celle-là. C'est vrai que là, je suis à 19 d'AC, c'est comme c'est pas dégueu hein. Le gars, il y a va. Tu l'as vexé, ouais, c'est bon, tu l'as vexé. Voilà, elle est vexée. C'est quasiment le tout de mes PV là, c'est bon, calme-toi. Le gars, il a un poil et il est aussi résistant que moi, merde, c'est pas normal. Bah, aussi résistant que toi? Bah non, t'as beaucoup plus de PV. Oui, genre j'ai beaucoup plus de PV, mais vu que je me fais marave la gueule. Par contre, je peux faire mais des. Mais c'était exceptionnel. Ah, j'ai bien suché les pissenlits par la racine. Tu fais ce que tu veux, mais tu nous le dis pas. D'accord, ok. Je garde ça dans le bosquet. C'est ça, ce qui se passe dans le bosquet. Qui c'est ce qui lance des dés là? Ça me stresse. C'est Katox qui se fait de la tue. Ok. Il a raboté tous les marchands, je peux pas les revendre des. Katox, est-ce que t'as parlé au petit gars au tiflin là, rouge qui est dedans là? Je lui ai pas parlé, par contre, j'ai trouvé une latte de parquet qui s'en allait et un anneau dedans. Bah, il faut que tu lui parles parce que il a une histoire avec une clé, mais il faut faire un jet de performance. Et autant te dire que bon, je suis à zéro, donc c'est mort. Allez mon gars, je raconte ton histoire à mon ami Monsieur Incognito.
Non, pas lui. Et lequel? Celui avec qui je suis en train de parler. Je suis à l'entrée là. Matisse. Là. Comment on fait pour ping? Là. Ouais, lui. Pourquoi t'es chinois? J'ai pris un élixir de potion de grandeur parce que c'était drôle. I'm alive, ain't I? What's not to like? Ah, il est là! Ah, mais t'as demandé de trader. Non, c'est faut pas trader, faut lui dire t'as pas un truc spécial pour moi. Ouais, mais il a une cape spéciale pour moi. Ah. La cape du ninja! La cape du ninja? Hein? Pleasure doing business with you. Don't be shy. What are you looking for? Quelqu'un a cliqué sur sombre gueule le cruel. Un objet très spécial, une clé. Non, moi j'ai cliqué sur Marcus Breu. Parce que j'ai raté un jet et du coup il y a peut-être un truc à tirer de la grosse statue d'ours empaillé là qui est à côté de moi. La grande dalle qui est plein de statues. C'est où? C'est quoi? C'est où? Là? Ouais. Oh. Moll a dit que je pouvais l'avoir. T'as raté ta nature aussi. Ouais. Allez, on espère que ça passe. Déception successful. C'est bon. Zou, allez. Oh, donne-moi la clé. Je suis en train de parler au gnome là, il veut faire de la poudre à canon. Oh. Puisque je te le dis. Ah, oh, trop facile si tu rates ça. Bah c'est impossible. Ou alors j'ai un. Voilà. Niquez-vous. Jeu de Seymour. Jeu de Seymour. Génial. Absolument magnifique. Chier. Splendide. But she said... All right. Here. I guess. Allez, clé en forme de tour. J'ai une clé, elle est en forme de tour. Bon, du coup, maintenant qu'on est là, on va pouvoir stopper l'épisode en fait. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais il faudra aller écouter à la meuf à l'étage. Ah bon? Okay. Ben oui, la meuf qui était dehors, qui a pu cramer. Elle est pas à l'étage, elle est en bas. Non, elle est pas à l'étage, elle est en bas. Bah, je sais pas, en haut il y a une porte, j'ai pas ouvert. On remarquerait, je m'améliore. Alors on verra ça au prochain épisode. Parce que... Allez, on fait des bisous tout le monde. À bientôt. À plus.